Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Excellences, Madame la vice-présidente de la commission de la CEMAC, honorables, très chers invités, bonjour. Merci Bonjour. pour le privilège que vous nous faites d'être aussi nombreux à cette initiative tripartite. À la base prise par l'Institut Mandela, qui a bien voulu associer ses partenaires, l'école doctorale Gamo de l'université Mohamed V et le laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux et nous remercions Son Excellence, Madame la vice-présidente de la commission de la CEMAC et le professeur Arakat, qui ont bien voulu être les panélistes principaux de cet événement. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un peu plus d'un an, la pandémie du COVID-19 est en train de bousculer, pour ne pas dire de chambouler, toutes les donnes sur tous les plans, aussi bien économiques, sociaux, financiers et également au niveau de la gouvernance et particulièrement africaine. Raison pour laquelle l'Institut Mandela, qui depuis plus d'une décennie travaille à la mise en place d'un certain nombre de plateformes, d'un certain nombre d'initiatives de réflexion pour pouvoir amener l'Afrique et les principaux leaders de l'Afrique à repenser la gouvernance de notre continent a pris cette initiative qui nous réunit ce jour. Je vais laisser la parole au docteur Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela, qui est le modérateur en chef de cet événement qui nous réunit ce matin. Docteur Paul Kananoura, vous avez la parole. Merci bien. Merci beaucoup, cher ami Lagrange. Je vous remercie pour assurer le service technique en qualité de partenaire et président du laboratoire diplomatique. Je remercie également le professeur Arakat, le responsable de l'école doctorale et également gouvernance de l'Afrique du Moyen-Orient de l'Université Mohamed V du Maroc, qui sont les trois co-organisateurs de cet événement. Tous mes remerciements en particulier à Son Excellence Madame Assir, la vice-présidente de la commission de la CEMAC, qui a accepté de partager avec nous ses réflexions, sa pensée, sa philosophie, mais aussi sa vision sur l'Afrique post-Covid, parce que nous sommes effectivement sur cette trajectoire de repenser l'Afrique post-Covid. Vous savez que l'Institut Mandela a fait quatre contributions sur les questions de Covid. La première contribution, c'était la gestion. La deuxième, c'était les effets économiques. Et la troisième, c'était la géopolitique et la géostratégie de Covid, mais en rapport avec l'Afrique. Et la quatrième, c'était le penser la gouvernance africaine post-COVID-19. Donc, c'est dans cette tirance que nous continuons à effectivement à réfléchir sur ces questions que nous avons faites. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez diffuser quelques bouquets qui ont été publiés par professeur, la direction du professeur Yarakat, auxquels nous avons parfois contribué sur diverses formes, y compris des derniers bouquets sur la COVID-19. Donc, nous sommes toujours dans cette dynamique de réflexion collective, parce que nous sommes face à une crise singulière et qui a posé la problématique de gestion des crises sanitaires avec entre déficience et résilience africaine. D'ailleurs, nous avons aussi, ça a révélé que nous avons eu, comme tout le monde et d'ailleurs dans le monde, le pilotage à vue de la question, mais aussi une certaine manque d'anticipation et d'intervention stratégique. Ce sont ces éléments à tirer au clair, à corriger dans l'avenir. Mais aussi, on sait que la pandémie a eu des effets sur l'économie, un choc économique qu'on est en train de gérer, mais qui sera un peu plus difficile.
Parce qu'il faut maintenant réfléchir aussi les politiques publiques, économiques et sociales pour faire face non seulement à la crise sanitaire, mais aussi à la crise économique, afin de garantir la pérennité de la sécurité, mais aussi de la stabilité de nos pays. Donc, l'après-Covid en Afrique est un nouveau challenge, non seulement pour gouverner, pour entreprendre et pour produire autrement avec une vision d'autosuffisance, de puissance et d'influence. Donc, il faudra, à mon sens, et peut-être les conférenciers vont nous en dire plus, une vision de développement continental incarnant cette ambition politique d'indépendance géopolitique, mais aussi de sécurité stratégique. C'est notre profonde conviction que l'Afrique doit retrouver son identité et reprendre son avenir en main. Et c'est pour cela que, sans tarder, d'abord je remercie les personnalités qui sont avec nous. J'ai vu le ministre de la Mauritanie, l'ambassadeur du Burundi à Paris. Je viens de voir les salutations de l'ambassade de Tunisie à Paris, et je crois, et l'ambassade du Maroc aussi à Paris, qui sont connectés. Martine Lévy, qui est une grande personnalité, une ancienne de la francophonie. Monsieur Foulet et les autres, au fur et à mesure, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et je sais que vous m'avez écrit au moment où la connexion était très difficile. Monsieur le Président Kag, merci beaucoup, et les autres aussi. Et sans tarder, je donne la parole à Madame la Vice-Présidente de la CEMAC pour nous dire son intervention. Madame, Son Excellence, à vous la parole. Merci, merci beaucoup, docteur Paul, et puis monsieur le modérateur, merci infiniment. Je voulais dire bonjour à monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo. Je ne sais pas le président d'honneur s'il est avec nous. Monsieur et madame les ministres, j'ai compris qu'on a monsieur le ministre de la Mauritanie, Excellences, monsieur et madame les ambassadeurs, chers copanélistes, et puis monsieur le modérateur. Messieurs et Mesdames les organisateurs, vraiment, je voulais dire tout protocole observé, chers participants. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la considération que vous m'avez faite en m'invitant à la présente plateforme pour m'associer aux discussions sur un sujet aussi important que les concepteurs de la rencontre ont intitulé l'Afrique après COVID-19. Défis, enjeux et perspectives. C'est un sujet d'une actualité brûlante et assez vaste pour être traité dans tout le sens, dans tous ses contours, dans le cadre d'un exposé. C'est pourquoi, avec votre permission, je me permets simplement, et nous supposons que cela aussi est le souhait des organisateurs de la rencontre, de faire une brève introduction, surtout de beaucoup plus parler des défis qui sont actuels, parce qu'on ne peut pas parler de perspectives tant qu'on ne peut pas parler de défis. Donc, parler de défis et puis les perspectives en mettant un focus sur l'incidence de la crise et les mesures riposte adaptées en Afrique. Les discussions vont approfondir, bien sûr, l'analyse. Je voulais aussi dire, en tant qu'introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet, la pandémie affecte toutes les économies du monde sans discrimination, avec bien sûr un impact négatif plus marqué sur les économies les plus fragiles. Celles-ci payent un lourd tribut, c'est le cas de la plupart de nos pays africains. L'événement du COVID-19 a donc modifié l'ordre des priorités dans tous les pays du monde, y compris ceux de l'Afrique. La pandémie du coronavirus a en effet des conséquences sur nos modes de vie, avec comme corollaire des efforts de réinvention de cadres de travail dans les administrations publiques et privées afin d'assurer la continuité des services. Elle nous a rappelé la nécessité de repenser
les modèles de développement dans nos pays. Mais la conjoncture inédite actuelle, quoique profondément troublée, crée une opportunité pour construire un nouveau modèle social en Afrique, un nouveau projet de société. D'ici là et dans l'immédiat, nous devons faire face à l'urgence dans la solidarité, la responsabilité mutuelle et la transparence. Faire face à la pandémie en cours et lui opposer une réponse appropriée est devenue la priorité principale. Maintenant, sans plus tarder, je vais parler spécialement de deux différents problèmes ou bien défis. Cette pandémie virale, à mon avis, a relevé et amplifié sur un, le système de la santé et deux, la gestion des finances publiques. Concernant le système de la santé, on sait qu'on a plus de 600 millions d'Africains qui vivent en milieu rural et des bidonvilles ont des logements et des soins de santé inadéquats et donc n'ont pas accès aussi à des services d'eau et d'assainissement. Ces statistiques viennent de l'UN Habitat World Report 2020. L'Afrique manque d'infrastructures sanitaires et de personnel soignant. On parle en moyenne de 2 médecins pour 10 000 habitants et on parle d'à peu près 1,18 lit d'hôpital pour 1000 personnes comparé à 5,98 lits pour 1000 personnes en France. Ces statistiques viennent de l'index Moody 2020. D'après l'ACNUSET, le rapport de l'ACNUSET 2016-2018, l'Afrique est dépendante de l'importation pharmaceutique et médicinale à 94%. Comparé à l'Inde, qui est de 19%, la Suisse, 8%, la Chine, 5%. Maintenant, l'Afrique dépense aussi 16 millions de dollars par an en médicaments et dépend de la Chine et d'autres pays de l'Europe et puis aussi de l'Asie. On sait que aussi certains pays ont imposé des restrictions de produits médicinaux. On parle ici des masques, des ventilateurs, des médicaments et donc ont impacté sérieusement sur la réponse que nos États veulent donner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malgré en fait tous ces défis ou bien tous ces problèmes qu'on a observés, on va dire que l'Afrique sur le plan sécuritaire, les effets sont moins graves que d'autres continents. Le gouvernement de tous nos pays ont réussi à sensibiliser la population sur les mesures de prévention qui ont en retour contribué à sauver des vies. Ici, on parle des fermetures de frontières, la mobilité et autres. L'Afrique, qui pèse 17% de la population mondiale, représente seulement 4% des infections et 3% des décès dans le monde. Ces données ont été obtenues de CDC Africa, de l'Union africaine. Donc, avec 4% des infections, 17% de la population globale, on parle de 4% des infections et 3% des décès. Donc, je pense que sur le plan sanitaire, oui, il y a des choses à améliorer. Oui, je veux dire, on va parler dans les perspectives comment il faut combler ou bien améliorer certaines choses, mais je pense que les répercussions sur le plan sanitaire sont beaucoup moins graves en termes de décès, en termes d'infection. Et je pense que les gouvernements ont fait beaucoup les réponses qu'ils ont mises, le confinement, fermeture des frontières, fermeture de certaines entreprises, hein, réduction du voyage et mobilité. Maintenant, toutes ces mesures politiques qui ont aidé, je veux dire, à sauver des vies, ont aussi entraîné un niveau de pauvreté élevé. Donc, ils ont entraîné une augmentation du niveau de pauvreté et donc, ça a aussi amené nos États à aller à faire recours à des dettes pour nous assurer que quand même, d'une manière sociale, les choses sont bien faites. Pour la première fois en 25 ans, l'Afrique connaît une contraction de sa croissance à 3% selon la Banque mondiale. Cette récession révèle la fragilité de nos économies, s'accompagne de graves conséquences
basculement de 26 à 40 millions d'habitants dans la pauvreté, aggravation des inégalités sur des fonds de crise sociale et baisse du PIB due à une grande dépendance aux industries extractives. Ça, c'est un constat, surtout sur les finances publiques. Voilà, le deuxième point, c'est que la pandémie a aussi mis en péril la sécurité alimentaire des pays. En 2018, l'Afrique subsaharienne a importé plus de 40 millions de tonnes de céréales. La Somalie et le Soudan du Sud sont les plus exposés à une perturbation des approvisionnements des céréales, tandis que d'autres pays comme l'Angola, le Nigeria, le Tchad sont tributaires de leurs exportations pour payer les importations des denrées. Maintenant qu'on avait parlé un peu des défis au niveau de la santé et surtout des défis qui sont beaucoup plus sérieux au niveau de la gestion des finances publiques, quelles sont les perspectives? Avant toute chose, c'est de reconnaître l'importance de disposer de systèmes de santé solides, améliorer les revenus et les perspectives des personnels de la santé afin d'éviter leur migration, car malgré la pandémie, l'Union européenne, l'espace Union européenne, semble être attractif pour certains de nos jeunes concitoyens. Ça, c'est une chose. On a aussi vu, par exemple, dans certains pays où on n'intègre plus à la fonction publique et maintenant les personnels médicaux ont été intégrés. Donc, il est important qu'on intègre pour améliorer les statistiques, les chiffres. On parle de 2 médecins pour 10 000 habitants. Donc, améliorer ça. Et bien sûr, accélérer les réformes de gestion des finances publiques. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que cette pandémie, ces défis et toute autre chose nous révèlent que vraiment, en fait, l'Afrique est préparée, mais l'Afrique ne met pas en œuvre correctement ce qu'elle a. L'Afrique a une vision qui s'appelle l'Afrique que nous voulons, ou bien l'agenda 2063. L'agenda 2063 est un agenda qui a été adopté par le chef d'État et de gouvernement en 2013, 50 ans après la création de l'OUA et l'Union africaine. Donc, 50 ans après, la première OUA, depuis 1963 jusqu'à 2013, quel est l'objectif vraiment principal de cette organisation? C'est l'apartheid, c'est le colonialisme, c'est tout ce que vous, je veux dire, ce qui est maintenant passé. Maintenant, de 2013 à 2063, qui fait 50 ans, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut? On veut le développement, bien sûr, on veut la paix, on veut cette Afrique qu'on veut, qu'on rêve de cette Afrique. Donc, en fait, tout a été déjà mis à, je veux dire, toutes les souches de la société ont contribué à nous dire, à dire à l'Afrique, au chef d'État, qu'est-ce qu'on veut, que ce soit au gouvernement, toutes les parties prenantes, hein, les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les parlementaires, tout le monde. Donc, on a un agenda qui s'appelle Agenda 2063. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer la mise en œuvre du programme détaillé de développement de l'Afrique, de l'agriculture africaine, qui est le PDDA, adopté par le chef d'État depuis 2013 et mis déjà dans le plan décennal 2013-2023. Aujourd'hui, on est déjà en 2021. Il nous reste 2 ans pour le premier plan. Je pense qu'il faut qu'on fasse une évaluation et de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique avance. Dans ce plan, je veux dire, de programme détaillé de développement de l'Afrique, de l'agriculture africaine, il a été prévu de mettre 10% de dépenses publiques dans le secteur agricole. En 2015, 33 pays ont développé des plans d'investissement. 41 ont déjà signé des pactes de ce programme. Et à peu près 7% des ressources de certains pays sont des dépenses publiques sont mises dans le secteur agricole. Il faut qu'on sensibilise nos jeunes pour rendre l'agriculture cool. Parce que si on voit un paysan, habillé d'une certaine façon, ça n'encourage pas nécessairement les jeunes pour aller à l'agriculture. Essayons de mécaniser l'agriculture, de la rendre plus attractive à nos jeunes. Il est important que nos jeunes
comprennent que la terre est quelque chose qui n'est pas tarissable. Ce n'est pas, je veux dire, le secteur minier où, à la fin de l'exploitation, on peut se trouver avec un trou et donc tout est parti. Elle n'est pas tarissable. Il est important, vraiment et crucial, que nos jeunes s'impliquent à l'agriculture. Il est aussi important de parler de la sécurité alimentaire comme une affaire de dignité. Parce qu'un homme, quand il a faim, il n'a plus de dignité. Donc, je pense qu'il est important de vendre l'agriculture, de, comme je l'ai dit, de la rendre cool et de vraiment mettre l'emphase sur l'agriculture. Il faut encourager à la transformation. Nos États, on voit nos États aujourd'hui, à chaque fois que l'on connaît à l'approche d'une saison agricole, bien sûr, on donne des tracteurs, on donne beaucoup de choses hein, pour des engrais et autres, pour encourager à la productivité. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut non seulement encourager la productivité, mais il faut aussi encourager la transformation. Ici, on peut parler des banques agricoles. Les banques agricoles peuvent faire un rôle. Par exemple, mettre un fonds à côté, un fonds de placement. On peut mettre un fonds que si un agriculteur prend de l'argent pour aller cultiver, et malheureusement, si la récolte n'est pas bonne, normalement, il y a certaines choses, certains frais, que ce soit les intérêts ou bien une partie de ces prêts, peut être payée par le fonds de garantie qui a été déposé par le gouvernement. Maintenant, bien sûr, si je suis désolée des messieurs, hein, la majorité du temps, les messieurs vont prendre un prêt pour l'agriculture, ils vont aller prendre une deuxième fonds. Je pense qu'en ce moment, il faut essayer de taxer double pour qu'on puisse vraiment nous assurer que les fonds qui sont utilisés sont des fonds qui vont à l'agriculture et sont des fonds qui encouragent la transformation de l'agriculture. Je donne un exemple. Je suis tchadienne. Au sud du Tchad, en mai, juin, si vous partez vers le sud du Tchad, il y a des mangues partout. Personne n'achète des mangues. C'est dans la rue. Tout le monde peut ramasser des mangues. Mais malheureusement, mon pays importe des jus, que ce soit de Dubaï et autres. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de normal. On a des tomates à l'est, beaucoup de tomates, beaucoup d'oignons. Malheureusement, les tomates, après on achète les tomates en boîte, on achète des ketchup et on achète des ceci. Donc, je pense qu'il faut vraiment encourager aussi à la transformation. Ce sujet de transformation m'amène à un autre sujet qui me passionne. C'est vraiment l'industrialisation de l'Afrique. Aucun pays au monde ne s'est, développé sans s'industrialiser. Il faut qu'on transforme notre continent. Aujourd'hui, on a un paradoxe. On a plein de ressources, que ce soit des ressources, extractives. On parle de manganèse, on parle de l'or, de l'uranium et tout ça. On a les terres arables, alors qu'on est un continent le plus pauvre. Comment expliquer ça? En fait, c'est le manque de transformation dans notre continent. Donc, il faut transformer. Maintenant, beaucoup vont me dire que oui, pour transformer, il faut nécessairement avoir, l'énergie. Moi, je ne souscris pas nécessairement à cette logique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains pays, quand certains pays ont commencé, ils ont commencé par des parcs industriels. S'assurer qu'il y a des parcs industriels qui sont bons, qui ont tout le nécessaire. On a le terrain, on a l'électricité ici, on a l'eau, on a tout le nécessaire pour faire le parc industriel et commencer. Parce que l'Afrique, tout est urgent. Le système de santé est urgent. La sécurité alimentaire est urgente. L'industrialisation est urgente. Mais si on dit qu'il faut d'abord, régler le problème de l'énergie avant de transformer, je pense qu'il faut penser. Donc, c'est important. J'ai lu une vision de l'Éthiopie qui voulait devenir le premier bâtisseur de parcs industriels sur le continent, hein, alors que le secteur manufacturier représente seulement 5% du PIB. Donc, leur objectif, c'est d'atteindre 20 à 25% hein, du PIB. Donc, comment ils comptent le faire? En fait, ils ont fait des parcs industriels, ils ont donné les terrains, équipé les infrastructures, équiper les réseaux électroniques et de l'eau, et puis accès aux routes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont essayé de donner aux investisseurs de venir, bon, bien sûr, ce qu'on appelle tax-free. Beaucoup de nos pays se lancent pour dire, on va exempter les taxes.
Mais en général, ce n'est pas ce qui attire les investisseurs en Afrique. Oui, ils les prennent parce que c'est important de les prendre, mais ce n'est pas vraiment l'élément, je veux dire, le premier élément attractif d'investisseurs. Qu'est-ce qui a intéressé les investisseurs au niveau de l'Éthiopie? C'est que il y a des bureaux de douane sur place, dans les parcs industriels. Les conteneurs arrivent sur les parcs. Les douaniers inspectent la marchandise à l'intérieur là-bas. Donc, c'est une économie de temps, c'est une réduction de coûts. Et maintenant, ils exigent que la main-d'œuvre soit éthiopienne. Pour eux, la main-d'œuvre est abondante. Le coût est 5 fois moins cher que la Chine et moitié cher que le Vietnam. Donc, c'est comme on le dit, technological how, le transfert de technologie, le transfert de connaissances, comment faire. Donc, les investisseurs viennent. D'abord, un, c'est moins cher pour eux, c'est rapide. Les douaniers, tout est, je veux dire, toute la douane se fait au parc industriel. La production se fait et maintenant, on peut, je veux dire, utiliser ça. Donc, je parle d'un exemple, par exemple, l'Éthiopie, mais l'Afrique a déjà un plan accéléré de l'industrialisation de l'Afrique. L'Afrique a une vision minière africaine. On voulait s'assurer qu'on profite de nos mines, que les investisseurs, on ne signe pas de contrat. À la fin, on exploite, on prend les matières premières, on les amène, et à la fin de la journée, on se trouve avec un trou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire les infrastructures nécessaires avant l'exploitation d'une mine? Par exemple, on parle de l'Australie. Avant d'exploiter une mine, il faut s'assurer qu'on a un hôpital là où il y a, je veux dire, il faut s'assurer que après l'exploitation de cette mine, que les gens peut-être développent des activités agricoles, des activités génératrices de revenus pour aussi empêcher l'exode rural. Donc, il y a des choses, des préalables qu'il faut qu'on fasse avant seulement de signer des contrats. Donc, il est très important de signer des contrats qui forment nos jeunes, qui s'assurent que vraiment l'impact environnemental est maîtrisé là où ils font, les infrastructures sont développées. Et cette vision minière qui a été adoptée par le chef d'État et de gouvernement en 2009, elle prescrit exactement tout ça. Bien sûr, on n'a pas les données géologiques, mais les données géologiques, on ne peut pas aussi demander à une entreprise de venir nous faire un map de données géologiques et après la même entreprise va venir pour exploiter nos ressources. Ce n'est pas possible. L'autre chose, c'est qu'il y a de certains États, on nous donne des données, je veux dire des données géologiques sous forme PDF. On ne peut pas exploiter, on ne peut pas les analyser. Donc, il est important qu'on puisse avoir une séparation de qui connaît ce qu'on a sous notre sous-sol et qui vient exploiter. Je sais que c'est une situation qui est un peu compliquée, mais je pense qu'un minimum peut se faire pour avancer. L'Afrique a aussi un plan pharmaceutique pour l'Afrique. On a parlé de 16 millions de dollars par an de médicaments. Alors qu'on a un plan pharmaceutique, je me souviens quand j'étais commissaire à l'Union africaine, il y avait le Sénégal et l'Éthiopie qui ont fait des plans d'investissement pharmaceutique et ils ont été aidés par l'UNIDO. Donc, on voulait que l'ONEDI aide les autres pays à développer des plans et à vraiment produire nos médicaments en Afrique. Ce qu'on peut faire en Afrique, vraiment, il faut le faire en Afrique. Encore, je donne un exemple de l'Éthiopie parce que j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Ils ont le TEF. Le TEF, ce n'est pas quelque chose de connu internationalement, mais je pense qu'ils sont en train de faire la promotion pour faire connaître je veux dire, leurs céréales d'une manière internationale. Et ils consomment, et ils sont fiers de consommer leur injera. Donc, je pense qu'il faut aussi consommer ce qu'on produit. On ne peut pas, je veux dire, avoir du café et toujours vouloir du Nescafé qui va venir de dehors. On a des tomates, mais on préfère les ketchup. Mais on ne peut pas produire les ketchup. J'étais aussi partie voir, par exemple, Nestlé en Côte d'Ivoire pour demander. Mais le cacao se trouve en Afrique. Est-ce que le Nestlé ne peut pas travailler avec l'Union africaine et au moins pour que l'Afrique produise ses propres chocolats? Parce que nos enfants aussi aiment le chocolat. Est-ce qu'on peut produire au moins notre propre chocolat? On ne parle pas d'exportation. Produisons au moins quelque chose pour nous ici qui n'a pas besoin d'être, je veux dire, transporté de la Suisse jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et maintenant, bien sûr, il y a la zone de libre-échange que je veux parler de cette libre-échange. Mais je pense qu'il est vraiment important
qu'on mette la transformation au-dessus de tout. Il faut qu'on transforme. Maintenant, pour transformer, la transformation, je veux dire, l'industrialisation n'est pas une affaire, pour moi, elle n'est pas une affaire d'un ministre de l'industrie ou bien du commerce. Elle est l'affaire de tous. Je m'explique. Si, par exemple, un autre département signe un contrat qui est à l'encontre de l'industrialisation, ça veut dire qu'on signe certains contrats qui encouragent l'exportation des matières premières. Ça veut dire que la colonisation a tracé des routes pour prendre les matières premières et les amener au port. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer cette donne. Donc, il faut qu'on s'assure que tous les contrats qu'on signe ne vont pas à l'encontre de ce qu'on veut faire. Et l'industrialisation doit être quelque chose, un plan, à mon avis, qui doit être contrôlé au plus haut niveau, au niveau du premier ministre, par exemple, ou bien au niveau du chef d'État, parce que l'industrialisation, c'est quelque chose qui est affecté de partout. Elle est affectée parce qu'on signe tous les contrats. Donc, l'Afrique attracte tous les investisseurs parce qu'on est des matières premières. Et ces matières premières, on peut exporter une portion de ces matières premières, mais je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort de transformer ce qu'on peut au moins d'une manière graduelle. Je ne dis pas que l'Afrique va s'élever et transformer tout ce qu'elle a aujourd'hui, mais du moins d'une manière graduelle. D'abord, hein, on peut parler de l'agriculture, ça c'est une transformation. Comment produire, comment transformer, il y a certains minimums qu'on peut faire, ça c'est la première des choses, on a parlé de parcs industriels et autres. On peut, je veux dire, produire certains médicaments chez nous, pourquoi pas. L'autre jour, j'ai vu agréablement surpris, je veux dire contente de voir que l'Algérie faisait son propre vaccin du coronavirus avec l'aide de la Russie, je pense. C'est une bonne initiative. Après, j'ai appris que le Nigeria aussi fait la même chose. Donc, ça, c'est des initiatives, je pense, à encourager. Aujourd'hui, tout le monde parle de vaccins, comment l'Afrique va avoir les vaccins et autres, comment les CDC, hein, Afrique, se bat pour avoir une dose de vaccin pour tous les Africains. Mais je pense que si on pense déjà à produire nos vaccins sur le continent, c'est une très bonne chose. Donc, ça, c'est pour moi l'industrialisation. Quand on parle de l'industrialisation, je parle des mines, je parle de l'agriculture, le plan pharmaceutique pour l'Afrique, c'est des plans qui existent, c'est des plans qui ont été adoptés par des chefs d'État et de gouvernement, et je pense qu'il faut voir comment on peut accélérer les choses. L'autre chose qui est aussi importante, je pense qu'il ne faut pas s'attendre en général à des partenaires qui vont venir nous donner des ressources pour à s'industrialiser ou bien pour transformer nos matières premières. La première des choses, c'est vraiment quelque chose qui coûte assez de l'argent. Donc, ce n'est pas un bailleur de fonds qui va venir nous aider. Et d'autre part, c'est des ressources qu'eux-mêmes, ils veulent. Donc, vraiment, je pense qu'il faut mettre l'argent nécessaire pour transformer. Et pour moi, transformer ces matières premières, une partie de ces matières premières, aide l'Afrique non seulement à se développer, à créer des emplois, mais aussi à éviter le problème d'insécurité. Pour moi, il n'y a pas de paix sans développement et il n'y a pas de développement sans paix. Parce qu'aujourd'hui, les mines, les contrats miniers, la pauvreté et autres ont un impact direct avec l'insécurité et l'instabilité de notre continent. Donc, si on veut vraiment traiter ce sujet d'insécurité dans notre continent, si on veut parler de faire taire les armes comme l'Union africaine l'a dit, je pense qu'il faut voir l'aspect sécurité d'une manière beaucoup plus grande et d'une manière beaucoup plus, comment on peut dire, holistique, hein? Holistique. Donc on ne peut pas se limiter seulement les causes et effets, il faut comprendre les causes et effets et certaines causes de ces instabilités, c'est vraiment, la pauvreté, les inégalités sociales et autres, et je pense qu'il faut les adresser et les adresser correctement. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point que je voulais aborder, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que tout le monde connaît que la zone de libre-échange continentale africaine, elle rassemble 1,3 milliard de personnes au sein d'un bloc pesant
3,4 milliards de dollars. Donc, c'est une opportunité pour booster le commerce intra-africain qui est extrêmement très, très faible. On parle en 2018, on parle de 18% des exportations de l'Afrique sont parties vers l'Afrique, comparé à 52% de commerce intra, je veux dire de commerce intra-asiatique et 73% du commerce intra-européen. Donc, je pense que cette zone de libre-échange peut booster le commerce intra-africain. Maintenant, pour faire ça, bien sûr, il faut transformer les matières premières, sinon on va ouvrir une zone de libre-échange et qui va prendre les produits des autres. Je veux dire, c'est juste les produits des autres qui vont venir en Afrique et on va les faire circuler. Mais il est aussi urgent pour faire ça, non seulement il y a la transformation, mais il faut aussi que l'annexe sur les origines des produits soit finalisée. Parce qu'il faut qu'on s'assure qu'il y a un certain pourcentage. Le produit doit être fait en Afrique à X%, par exemple à 30%. On peut considérer que ce produit est un produit africain et donc qui doit être exempté de taxes et autres. Donc, il est important que cet accord soit finalisé. Bien sûr, la pandémie a eu des effets sur le début, la mise en œuvre de la zone de libre-échange qui a été lancée déjà le 1er janvier. Mais cet accord, il est urgent que cet accord des produits d'origine soit finalisé. Je pense que vous le savez tous, tous les pays à part l'Érythrée ont signé l'accord, 34 l'ont ratifié. Et aujourd'hui, tout le monde sait aussi que l'économie du continent pèse seulement 3% de l'économie mondiale avec 55 pays morcelés. C'est donc c'est des pays sont morcelés, ils sont des petits pays. Et je pense qu'aujourd'hui, si on parle de zone de libre-échange, on peut attirer beaucoup plus de grands investissements parce qu'on sera un grand marché. On aura 1,3 milliard de personnes. L'objectif, c'est vraiment d'attirer des investisseurs qui vont venir en Afrique, qui vont trouver des matières premières en Afrique, qui vont trouver la main-d'œuvre, bien sûr, moins chère en Afrique et qui vont transformer en Afrique. Et il y aura déjà le marché en Afrique. Donc, il est important vraiment d'attirer les gens pour venir. Et il est important aussi, comme je l'ai dit, de vraiment promouvoir les produits qui sont faits en Afrique. Et les produits qui sont faits en Afrique ne sont pas obligés d'être faits, par exemple, à un pays. Un pays A peut produire jusqu'à tel niveau. L'autre pays B peut transformer jusqu'à X niveau. Et donc, on peut faire, par exemple, label Made in Africa. Donc, il est important que vraiment qu'on ait des produits qui sont faits en Afrique et qui peuvent être consommés avant tout chez nous, avant de parler, je veux dire, d'exportation. Bien sûr, comme vous le savez, 90% des lignes tarifaires des pays, pour les pays avancés, c'est 5 ans, ils vont être réduites, et pour les pays les moins avancés, c'est 10 ans. Donc, 7%, le 7% sont un calendrier beaucoup plus long, et les 3% sont maintenus par les pays. Donc, et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent changer à tout moment les 3%. Je m'explique. Si un pays trouve que demain, ils ont des réserves minières, ils découvrent qu'ils ont des mines, ils peuvent mettre ce qu'ils ont découvert dans les 3% d'exclusion de la zone de libre-échange. Donc, les 90% sont des produits où la ligne tarifaire va être de zéro. 5 ans pour les pays avancés, 10 ans pour les pays les moins avancés, les 7%, je veux dire, ça va être une période beaucoup plus longue, et les 3%, c'est une exclusion. Bien sûr, il y a beaucoup de pays qui se demandent, parce que les pays dépendent des recettes douanières, mais la facilitation des procédures commerciales vont permettre une augmentation des exportations qui va compenser les recettes douanières. Maintenant, l'autre chose qui est importante, je pense que j'ai déjà parlé de ça, les accords commerciaux. Il faut qu'on revoie certains accords commerciaux parce qu'il y a certains accords commerciaux qui vont exactement, qui font exactement le contraire de ce que la zone de libre-échange veut faire, de d'autres développements, de nos objectifs de développement, et donc de s'assurer qu'on revoit certains accords et surtout de s'assurer qu'on ne signe plus des accords qui vont handicaper notre développement et notre vision.
Je voulais aussi dire que la zone de libre-échange, ce n'est pas seulement les mouvements de biens, c'est aussi, je veux dire, le mouvement de services et de talents. Aujourd'hui, on parle de nos jeunes qui vont en Europe parce qu'ils pensent que là-bas, je veux dire, les choses sont beaucoup plus mieux. Alors que quelqu'un, par exemple, un avocat peut se déplacer, je veux dire, un juriste peut se déplacer d'un pays A pour aller à notre un pays B. Donc, c'est aussi mouvement de talents. Donc, il est important de parler de ça, la liberté, je veux dire, de partir d'un pays à un autre est aussi une chose qui est très importante. Bien sûr, on peut parler de l'innovation, on parle de e-santé, les services de e-santé, la télémédecine et autres. Donc, il y a des choses que nos jeunes peuvent faire, mais je pense que l'industrialisation d'une manière générale, avec combinée avec cette zone de libre-échange, cette transformation, peut amener l'Afrique à aller plus loin. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le COVID 2019, je ne sais pas si c'est le COVID ou la COVID, le COVID 2019, je pense que c'est une opportunité de dire à l'Afrique, repensons, évaluons ce qu'on a fait, comment on peut aller de l'avant et comment on peut accélérer notre transformation structurelle de ce continent, comment on peut aller de l'avant, et je pense que c'est possible. On a une jeunesse, aujourd'hui 60% de notre population est jeune, et peut-être ça, ça explique déjà le fait qu'on n'a pas aussi beaucoup de cas de décès. 60% de nos jeunes dans le continent est très jeune, il a les ressources, je veux dire naturelles, en abondance, et je pense qu'il est vraiment temps qu'on revoie nos choses, qu'on revoie nos priorités, et qu'on puisse, je veux dire, mettre en œuvre notre vision, notre rêve, le rêve de l'Afrique que nous voulons en 2063, et ça commence aujourd'hui. Ça devrait commencer déjà en 2013, mais je pense qu'il est bien de s'arrêter et de dire qu'est-ce qu'on doit faire. Je suis aussi contente que ça coïncide déjà avec un mandat terminé de l'Union africaine. L'Union africaine vient d'avoir une élection le 31 janvier, je pense, ou bien le 6 février passé. Et donc, j'ai lu la vision du président de la Commission de l'Union africaine qui est rassurante, et j'espère que vraiment que les choses, les commissaires, bien sûr, les pays membres avancent l'Afrique dans ce sens. Je suis aussi enchantée de voir que le président de la RDC est président en exercice, parce qu'on parle de Ingadam, hein, pour l'électricité, c'est au Congo. Je pense que peut-être que ça va être quelque chose qui va être sur la feuille de route du président en exercice et qui va essayer d'accélérer les choses pour, je veux dire, avancer concernant l'énergie. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie, Son Excellence Assur. Vous avez bien assuré. Je crois que c'était une intervention magistrale très, très, très intéressante. Vous avez déjà décrit des défis qui sont au système de la santé, avec ce qu'on connaît, mais aussi la gestion des finances qui a été tout à fait compliquée et qui est toujours compliquée parce que il fallait à la fois financer l'urgence, c'est-à-dire la problématique de la crise sanitaire, mais aussi financer ce que nous consommons, parce que nous importons ce que nous consommons, et la plupart des pays avaient entamé même des réserves stratégiques qui étaient au plus bas niveau, donc ça posait effectivement la gestion des finances, ce qui veut dire que dans les perspectives que vous proposer, c'est pour parier à ces deux événements, enfin à ces défis majeurs, avec, je crois, quatre points de perspective, et notamment rendre le système de santé très attractif, à la fois pour le personnel, mais aussi pour les gens qui y soignent, au lieu toujours de prendre les avions, aller se soigner en Europe, alors que vous êtes en charge des systèmes de santé. Mais aussi le deuxième point, c'est la mécanisation de l'agriculture avec une proposition concrète de la banque agricole, mais aussi avec une manière de faire porter ce secteur par la jeunesse, mais aussi les femmes qui peuvent être les garants de l'avenir
sous une manière ou une autre. Le troisième point, c'est l'industrialisation de l'Afrique, mais avec la transformation. La transformation est très importante et que ça soit intégré dans tous les contrats qu'on peut signer et que ça concerne tous les départements ministériels, que ça concerne tous les pouvoirs publics qui ont le pouvoir de signer ce genre de contrat et que la transformation, même d'une manière graduelle, soit un peu imposée afin un peu de quitter le cheminement des matières premières vers la transformation de ces matières sur place afin de créer à la fois des emplois mais aussi de richesses sur place. Bien, mais vous êtes aussi suggéré ce qui est très important, la production des médicaments, notamment les médicaments essentiels, parce que c'est un secteur très stratégique et que les exemples de l'Algérie et du Nigeria sont à saluer, en ajoutant aussi l'exemple de Madagascar. Hein? C'est aussi, mais aussi. Le développement de la zone de libre-échange, je sais que c'est votre bébé que vous avez mis en place quand vous étiez commissaire à l'Union africaine. En le disant, je vois le ministre Ikaburu Mohamed de Mauritanie en train de sourire, ça fait plaisir. Et je salue en même temps le ministre, bon, j'ai dit le ministre de la Mauritanie, mais je n'avais pas prononcé son nom. C'est le ministre Mohamed Ikaburu de Mauritanie qui nous suit. Quand je parlais que c'est votre bébé, je l'ai vu sourire, donc il saluait votre initiative. Mais Ancien ministre, aussi. s'il vous plaît. Je suis pas. Je suis un ancien ministre. Ah oui, d'accord, mais vous êtes maintenant à l'Union. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Oui, ok. Tout à l'heure, oui. Alima, oui, ok. Et donc, sur cette zone, mais que aussi vous insistez sur la transformation, sur le made in Africa, c'est-à-dire la transformation des produits, mais aussi la traçabilité des produits africains. Et surtout le voir les accords commerciaux qui ne cadrent pas avec notre vision, notre développement. Voilà les quatre ou cinq instruments de perspective que vous dégagez. Qui s'ajoute sur l'esprit d'innovation et autre chose. Donc, Docteur, je vous remercie. n'oubliez pas que Madame la vice-présidente a également souligné la mécanisation de l'agriculture et son accessibilité à la jeunesse. C'est très important parce que la jeunesse aujourd'hui constitue le fer de lance et la jeunesse doit pouvoir être préparée à la prise de la relève. Donc, nous saluons également ces points-là que Son Excellence Madame la vice-présidente a soulevé, qui vraiment vient montrer que ces autorités qu'elles représentent pensent effectivement à la jeunesse. Merci beaucoup pour la mise au point.